là là. La masterclass de Stubble Guys, les gars. Enfin, en fait, je parle comme si je suis déjà au courant de tout, alors que pas du tout. Vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui, je vais découvrir la 0.51. C'est la mise à jour tellement attendue, et du coup, je suis déjà au courant qu'il y a de nouveaux skins mythiques, apparemment. Donc, une nouvelle rareté au-dessus des spéciales. Non, 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 non. Non! Mais par contre, je me suis gardé la surprise, je me suis pas spoil, donc je sais pas quel nouveau skin spécial est sorti et à quoi ressemblent ces skins mythiques. Donc c'est ce qu'on va découvrir ensemble juste après cette partie. J'ai beaucoup trop hâte parce qu'une nouvelle rareté, c'est du jamais vu sur Stubble Guys depuis que je joue au jeu, depuis maintenant au moins une demi-année. Vraiment, j'ai trop hâte, vite! Oh! Je suis passé, hop, on envoie un petit punch. Let's go, on est qualifié déjà pour la deuxième manche. D'ailleurs, je ne connais pas encore les skins, mais là, je vais vous afficher à l'écran trois nouveaux skins, dont deux qui sont officiellement sortis et qui vont arriver sur le jeu, et un qui est totalement fake. Je te laisse deviner et mettre en commentaire ta réponse. Comme ça, tu participes directement au tirage des 5000 gemmes qui sont à gagner sur cette vidéo. Il faut juste être abonné, qu'on atteigne les 1000 likes, et du coup, dans le petit commentaire, tu mets quel skin tu penses qu'il est fake. Du coup, pour l'instant, je sais même pas encore quel skin je vais mettre, mais voilà, t'auras vu à l'écran, il y en aura 3. Deux, c'est des vrais skins qui sortent vraiment, et un, il est totalement inventé. Oh non, 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 non. Non, mais non, oh, je suis trop nul. Avant qu'on aille faire des spins et qu'on découvre cette nouvelle mise à jour, il faut quand même que je fasse un top 1. Allez, c'est parti. Oh là là, let's go, cette fois, on a une bonne map. Lavaland, je vais tout exploser, ok. La partie va durer 15 secondes parce que tous les adversaires vont être éliminés. Allez, c'est parti, on ramasse quelques brosses. Même si, bon, vous l'avez vu dans ma vidéo il y a pas longtemps, j'ai tout acheté. D'ailleurs, on a quelques nouveaux skins qui sont sortis dans la boutique que je vais devoir acheter. Et en fait, il y a des nouveaux skins, mais il y a aussi une nouvelle map qui va sortir. Oh, let's go! Je suis déjà qualifié. Donc ça, je vous avoue, j'ai déjà vu qu'est-ce que ça va être la nouvelle map. Mais je vais quand même rapidement vous la présenter. Ça a l'air vachement cool en vrai. Déjà en demi-finale, oh là là, c'est la deuxième chance sur Bud Bash. Après, on va aussi se faire sûrement le petit booster très rapidement pour se choper un petit skin spécial. Voilà, ça fait plaisir. À tout moment, on chope un skin mythique dans le booster. Non, ça, à mon avis, c'est pas possible. Mais oui, par contre, je pense que c'est vraiment la meilleure mise à jour de Stubble Guys. Parce que introduire une nouvelle rareté, oh là là, les packs opening de malade que ça nous réserve, ça. Je passerai bien sûr aussi sur vos comptes pour débloquer ces nouveaux skins mythiques. Pour ça, il faut être abonné et aussi rejoindre le Discord. Le lien est en description. Oh, j'ai failli me prendre le petit bot bash. Attendez, je vais envoyer un punch. Hop là. J'ai très très hâte par contre de découvrir à quoi ressemblent ces skins mythiques. Parce que ok, rareté, oui, skin mythique et tout, ça tue, hein, c'est incroyable. Rareté mythique, ça donne trop envie. Mais à tout moment, les skins ne seront pas du tout à la hauteur. Et je sais même pas combien il y en a en vrai. Est-ce qu'il y a un seul skin mythique, il y en a deux, il y en a trois? Oh, je sais pas, mais j'ai trop hâte de débloquer ça après. En plus, je suis qualifié pour la finale, let's go. Oh, Rush Hour. Les gars, là, c'est sûr que je vais faire top 1. Sinon, je supprime ma chaîne. Là, on fait top 1. L'alien, regardez, dès que je peux avoir le punch, je lui envoie une grosse patate. Hop là. Et je vous avais prévenu, les gars. Allez, j'ai pas attendu une seconde, ça a punch direct. Attendez, lui, lui, on va se le faire aussi. On va se le faire direct. Hop là. Oh, les deux. Le double kill. Alors là, tu peux t'abonner. Le double kill. Et j'ai jamais fait ça, hein. Double kill sur Rush Hour, c'était insane. Attendez, j'envoie une banane. Hop. Oh, allez, allez, allez. Oh. La partie de malade. Si là je mérite pas la victoire, les gars. Oh là là, non mais là c'est fou. Je suis en 1v1 contre le petit bonhomme en rouge. Allez, on va se le faire. On va se le faire, les gars. On va se le faire, c'est maintenant. C'est maintenant, je peux pas me rater. Après toutes les actions que je viens de faire là. Allez, viens mon gars, allez viens. Je t'attends. Et il a peur, il a peur. En même temps, je comprends. Là je viens d'envoyer un double punch. Une banane bien placée. Je ferai pas le malin à sa place non plus. Oula. Oh, par contre il m'a l'air pas mal chaud aussi, hein. Oh là là. Et après, on va découvrir du coup 6 nouveaux skins. Et voilà, il est tombé comme un noob. Let's go. J'ai pas besoin de supprimer ma chaîne. Ça fait plaisir. Voilà, 100 petites brosses en or. Ça met très très bien. Et regardez, ici, on a des nouveaux skins qui sont sortis. On les avait déjà vus hier, mais bon, je m'étais pas attardé dessus. Ils coûtent quand même vachement cher et je les trouve pas autant stylés que ça. Mais bon, vous le savez, j'ai un objectif à atteindre. C'est d'avoir tous les skins de Stubble Guys. Donc voilà, on va tous les acheter. Oh là là, 1500 gemmes déjà qui sont partis. Ils sont très très chers, ces skins. Mais bon, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour accomplir ces objectifs? Et allez, on se fait le petit Jadmian bis et on va tout simplement découvrir. Oh là là, les skins mythiques. Mais j'ai trop hâte. J'espère qu'ils sont stylés. Oh, 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 dommage.
À chaque fois, j'y crois trop, alors que non, on arrive sur les 5 gemmes à côté, j'ai le seum. Bon, on va directement partir découvrir ces petits skins, mais d'abord, petit booster, voilà. On continue la petite routine, même s'il m'en reste, je crois, à peine 4, et après, ça sera terminé. Oh là là. Peut-être je vais en racheter, je sais pas, parce que ça va manquer de faire ces packs opening quand même. Bon, espérons qu'au moins, pour finir en beauté, on chope du spécial, ça mettrait très très bien. Oh, le monsieur Block Dash, mais du coup, version simple. Bon, on l'a déjà eu dans une précédente vidéo, c'est pas grave. Le petit robot en cuivre, ou je sais pas ce que c'est. Très sympathique aussi, mais voilà. Nous, on veut du spécial. Le kangourou boxer, mais... C'est quoi ce skin? Attendez, est-ce que j'ai ce skin même? Franchement, je pense pas, je l'ai jamais vu. 3, 2, 1... Non, l'astronaute, en plus celui-là, mais oh là là, on l'a tellement de fois. Bon, de toute façon, je m'en fous, moi je vais aller découvrir ces nouveaux skins mythiques, et voilà, c'est parti. C'est parti pour regarder ces petites vidéos, pour pas me spoil, je suis directement passé d'abord aux skins légendaires, et pas directement au début, les mythiques, j'ai cru en voir un. Ça a l'air insane, les gars. Bon, là, on a les nouveaux skins légendaires, Ohana, une étoile de mer. Oh là là, il est trop marrant ce skin, mais je le vois pas du tout dans Stumble Guys. Le Ying et le Yang, ok. Très sympathique comme skin, oui, j'aime bien, j'aime bien. Ok, ah, on a le Yang et le Yin, d'accord, c'est pas directement Ying Yang. Bon, ok. Roomies, alors ça, je sais pas, ça doit être une ref d'un jeu, je connais pas du tout. Ah, du coup, on a le nouveau skin que je viens d'acheter. Le Royal Rabbit, lui, on l'a aussi déjà. Le Vilgal, ok, bon, pff. J'ai aucune ref, les gars, je sais pas de quel jeu ça vient, ça. Oh! C'est quoi cette banane? Le super hot dog! C'est quoi ce skin? Cornet de glace. Non, mais Stumbleguest, parfois, ils partent dans des trucs. Oh! Oh, il est stylé. Oh! Non, mais... Oh là là, celui-là, il est incroyable. C'est le squelette, mais en or avec une flèche. Eh, mais je vous jure, ça pourrait être un skin spécial. Je le trouve, mais insane. Oh, ça va le débloquer. Hein. La trash panda. Ok, la licorne maléfique. Oh là là. Et Stumble Guys, ils nous ont sorti énormément de skins. Bon, là, on a le vilain guy, du coup, version mâle. Oui, oui, très sympa. Mais voilà, oh, par contre, le squelette en or, gros, gros coup de cœur, les gars. Et là, le pixel boxer. Stumble Guys, ils aiment bien transformer les skins en pixels. Hein. On a aussi, du coup, du nouveau skin épique. Oh, le squelette. Oh là là. Ah, les skins squelettes customisés, je les kiffe. Mais je préférais encore l'autre. Hein. Là, on a le mec bronzé. Oui, pourquoi pas. En plus, un petit SG en mode Stumble Guys, il est bronzé dessus, assez marrant. Je crois que Epic, il n'y en a pas beaucoup de nouveaux. Ils ont vraiment sorti, bah, du coup, du légendaire, beaucoup. Du coup, du mythique. Ensemble, on va le découvrir, mais alors directement, les gars. Là, bon, les couleurs de peau, ils n'ont rien changé, ils n'ont pas ajouté de nouvelles. Ça serait cool, peut-être, des couleurs de peau vraiment, genre, spéciales un petit peu, qu'on pourrait débloquer dans des roues, je sais pas. Ok, bon, on n'a pas de nouvelles émotes. Par contre, ils ont changé un petit peu l'interface des petits objets. Du coup, là, par exemple, vous voyez, le spécial, il y a un petit peu une sorte de dégradé. Je sais pas si je suis juste devant. Peut-être je vous dérange la vue. Mais même le légendaire, vous voyez, c'est un petit peu différent qu'avant. Ah, voilà, là, vous voyez, les spéciales, ils sont un peu différents. Bon, là, ils nous montrent les animations. Ça nous intéresse pas plus que ça, en vrai. Ok, là, limite, les nouvelles animations, du coup, quoi en marche. Ça peut être intéressant, je crois... qu'il y en a 4 nouvelles. Des tentacules. Oh. Assez marrant. Ok, un requin un petit peu bizarre, non ça j'aime pas. Des crottes qui vous suivent, bah super. Oh, ça c'est scié. Oh, le blocage grid, oh ok, ça c'est cool. Très normalement, il va faire un pack opening de cette nouvelle route, donc ça va être intéressant. Voici la nouvelle map, Blaster Blaze 0. Donc, bah on la connaît déjà, c'est Blaster Blaze. Mais apparemment, il y a des petites plateformes comme un petit peu, comment ça s'appelle là, pas hexagone, le truc au miel, la Honey Drop, voilà. C'est, je crois, un petit peu un mélange. Il n'y a pas trop de gravité. Ne vous inquiétez pas, les gars. On va découvrir les skins mythiques. Vraiment, même moi, là, j'ai trop envie de les voir. Mais je me dis, on se garde la surprise pour la fin. Voilà, on finit la vidéo en beauté. Vous le savez, c'est toujours comme ça. Du coup, voilà, la nouvelle map. On va pas la regarder en entière. Mais c'est assez marrant, quand même, sans gravité. J'ai hâte de vous affronter là-dessus, quand même. Sinon, je crois qu'il n'y a rien qu'à changer. Donc, à mon avis, c'est parti pour découvrir les nouveaux skins mythiques. Oh là là, j'espère qu'ils sont stylés en vrai. Hein. À tout moment, ils sont éclatés. C'est parti les gars, c'est maintenant New Mythic Rarity. Oh là là, j'ai l'impression que c'est fake, hein. J'ai l'impression que c'est un montage. Oh, peut-être il y a de nouveaux skins spéciaux, ça je sais même pas. Oh là là, oui. Oh, je vois des choses là. Ok, on a la petite sirène du coup en spécial. Je suis pas fan, voilà. Ça reste quand même très sympathique. Pixel Orbit, eux, ils l'ont un petit peu modifié. Le Dark Fire Fist, on l'a déjà. J'ai l'impression qu'il est aussi différent. Il a la flamme dans les cheveux maintenant. Le Phoenix, ok. Ça, c'est un nouveau spécial intéressant. Oh, j'aime bien.
Oh, l'arrière, il est très très stylé. Oh, les packs opening que ça va se faire. Mais regardez là, on a les nouveaux skins mythiques. Bon, Hot Gloves Mac Love, il est assez sympathique. Après, mythique, je trouve, ça ressemble à du spécial. Oh, ok, là, on tient un truc. La goutte d'eau, mon gars, invisible comme ça. Oh, oui, c'est stylé. Là, c'est quoi ça? Oh, l'emoji qui a deux côtés. Ah, j'aime beaucoup aussi, j'aime beaucoup. Très marrant, ces skins. Uncle Sab avec son jetpack américain. Skin sympathique. Oh, le dragon Dusk. Je sais pas ce que ça veut dire, Dusk. Oh là là, celui-là, il est sympa aussi. Hein. Oh, Moonstache. Un petit peu un hippie avec un jetpack. Oui, voilà. Rest in peace. Je le trouve marrant, ce skin. Oh, ça, le cancer. Oh, oh là là, ça, c'est un signe astrologique. Oh, j'aime beaucoup ça. Ça, c'est vrai que ça fait vachement mythique avec le lion aussi. Je pense qu'ils vont nous sortir tous les signes astrologiques, du coup, en skin mythique. Oh, ouais, il y a des choses vraiment très, très sympas. Et surtout, bah, ça va nous faire plein de nouveaux skins à débloquer. Sinon, là, je crois qu'en spécial, il n'y a rien d'autre. Voilà, il va partir sur les légendaires. Vous savez quoi? On va faire un spin de ces trous à 625 gemmes. Ça fait un petit peu mal aux fesses, mais voilà. Mais du coup, je trouve vraiment ces skins très, très stylés. Dites-moi votre avis en commentaire. Bien sûr, ça m'intéresse. Vous trouvez ça bien, pas bien? Abonnez-vous, likez la vidéo. Le concours, vous vous rappelez, je vous ai expliqué au début comment y participer. Et c'est parti pour le spin. Oh là là, c'est magnifique. Bien sûr, va voir toutes mes autres vidéos Stumble Guys. Il y en a un paquet. Régale-toi, mon frérot. Et qu'est-ce qu'on chope, nous? Oh, le Nyan Beast. Le Nyan Beast. Oh là là, ça... Oh non, je l'avais pas encore. Je l'avais pas encore. Let's go, les gars. Bon, allez, passe une bonne journée, BG. Ciao.